Les chiens ne voient pas en noir et blanc, c'est une fausse croyance. Ils voient bien de la couleur, mais de façon plus limitée que nous. C'est assez facile pour nous de s'imaginer comment voit un chien. Il suffit de mettre un filtre qui enlève certaines couleurs, qui floute un peu l'image, et pouf, le tour est joué. Le papillon et pas mal d'autres insectes peuvent voir une partie du spectre ultraviolet, chose que nous sommes complètement incapables de faire. Ils ont une habileté de plus, ou plutôt un sens surdéveloppé, qui leur permet de voir les fleurs telles que nous, nous ne les verrons jamais avec nos propres yeux. Alors il existe plein de compagnies qui avancent pour pouvoir vous donner une habileté en plus. Mais on n'ira pas dans le transhumanisme, on va s'arrêter juste avant. Laissez-moi vous raconter une petite anecdote. C'était un 24 décembre, il y a quelques années, on avait invité des amis à venir faire le réveillon de Noël chez nous. Et parmi eux, il y avait Franck, qui était passé faire quelques courses juste avant la fermeture des magasins avant d'arriver chez nous. Et tout fier de lui, il avait sorti des clémentines de son sac en disant « Regardez ça, j'ai trouvé de super clémentines, il ne restait qu'elles, je ne comprends pas pourquoi personne ne les a prises. » Nous, on savait pourquoi personne ne les avait prises. La moitié de la clémentine était verte, mais lui, il ne peut pas distinguer le vert du orange, parce qu'il est daltonien, de type protanope. Ça veut dire qu'il voit le monde à peu près comme ça. Donc la clémentine à moitié verte, il ne risquait pas de la voir. Et tous les daltoniens le savent, ils ne peuvent pas imaginer ce que ça veut dire de voir comme les autres. C'est pourtant ce que promet une compagnie qui vend des lunettes aux daltoniens, en leur disant qu'ils pourraient voir cette fameuse couleur en plus. Franck a fait le test en ligne et d'après leurs estimations, les lunettes avaient 20% de chance de fonctionner sur lui parce que ça dépend du type de daltonisme et de sa gravité. Et essayez d'imaginer, même si vous avez une vision normale, qu'est-ce que ça veut dire de voir une couleur de plus ? Par exemple, si vous avez une pomme rouge et une pomme verte, eh bien le daltonien ne va pas percevoir la différence de couleur. Everything's like more vivid. Ce regard n'est lui-même que le reflet d'une maladie. C'est pas une maladie. Hein. C'est surtout une travailler les verres. Regardons l'enquête conduite comme à l'habitude ce soir par... Tu peux me dire les couleurs que tu vois ici? Ouais. Vas-y. Ok. Orange, rose, jaune, noir, bleu, rose, vert, rose, gris, orange, marron, bleu, violet. Oh my. Tout ce qui est gris, c'est pas ça. Ça, c'est du bleu. Différents thèmes de bleu. Ok. Shit, ouais. Non, ouais. Ça, c'est gris-gris. Ok. Ouais, je vois ça gris à fond. Ah ouais. C'est pas vraiment une surprise, hein. Franck étant de type protanope, il a des difficultés à discerner le bleu du vert et le rouge du vert. Ok, okay. Je veux voir. Je crois que le micro, il va capter les poupou. T'es prêt? Ouais. Ok, si c'est quand même... c'est space. Pendant que Franck s'habitue à ses lunettes, faisons une petite pause. La meilleure explication que j'ai eu l'occasion de voir pour expliquer le daltonisme est ici. C'est une vidéo de la chaîne SciShow qui est un petit bijou de clarté. Mais pour faire court, le daltonisme le plus classique est une anomalie au niveau des récepteurs de couleurs de nos yeux. On en a trois, et chacun s'active pour une fréquence de couleurs différente. Les daltoniens ont en général un des photorécepteurs qui est toujours là, mais qui en fait s'active à la mauvaise fréquence, de sorte qu'il chevauche l'action d'un autre récepteur. Et ce chevauchement implique un mélange de couleurs. Par exemple, dans le cas de Franck, une couleur verte qui devrait activer quasiment que le récepteur vert, active en réalité le vert et le rouge, ce qui l'amène à percevoir une couleur qui est un mélange des deux. On estime que 5 à 8% des hommes sont atteints de daltonisme et 0,5 à 1% des femmes. Il y en a donc forcément parmi vous qui êtes daltonien. Je sais pas si c'est comme... Tu sais quand tu mets des lunettes avec des verres vraiment colorés puis t'as une ambiance. Ouais. Mais non, c'est comme vraiment c'est vraiment coloré, genre. Ouais. Oh shit, ouais, tes lunettes, genre c'est... Tu les avais pas vues? Eh, c'est vraiment full coloré. Eh, ça marche. Ça marche? Oh. C'est comme space, c'est plus genre, c'est plus l'ambiance qui est intense, genre. C'est vraiment intense. Franck est un amateur d'art et avec les lunettes, il voulait voir des peintures qu'il apprécie pour savoir à quoi elles ressemblent en vrai. Et il est allé voir cette œuvre de Rothko. C'est définitivement
plus coloré que d'habitude. C'est nice. C'est drôle parce que justement, tu sais, Rovko, moi je trouvais que c'est quand même... C'est beau parce que c'est quand même des couleurs fortes mais ternes un peu aussi. Puis en fait, elles sont quand même... Non, elles sont pas ternes. Elles sont quand même pétantes. Et moi, je trouvais ça quand même limite... C'est joli que ça soit quand même un peu flat, mais doux. Cette nouvelle perception des couleurs change sa propre perception de l'art. C'est peut-être pour ça que l'art est subjectif finalement, parce que nos perceptions elles-mêmes le sont. Bon, mais là, on est parti du principe que les lunettes fonctionnent, qu'elles lui ont effectivement corrigé sa vision. Alors, on le vérifie en refaisant le test du début. Mais on s'est heurté à un petit problème. Je sais pas si tu, je vais tu sais me pas courir. Quels sont les noms des couleurs, en fait. Ouais, y a peut-être des nuances que tu sais, je peux peut-être voir maintenant, puis que je suis pas habitué à les voir, fait que je sais pas comment elles s'appellent. Ouais. Ou j'arrive pas à les associer, plutôt, que de pas savoir comment elles s'appellent, parce que je connais les noms des couleurs. Je crois que j'ai appris ça à l'école. Ouais. Qu'est-ce que le rouge ? Qu'est-ce que le bleu ? Comment vous pourriez les définir ou les expliquer à quelqu'un qui ne connaît pas les couleurs ? Ou à quelqu'un à qui il manque certaines perceptions des couleurs ? C'est impossible, dans notre langage, rien ne nous permet de les définir. On peut utiliser que des exemples. Le bleu, c'est la couleur du ciel, le rouge, c'est les tomates. Ce qui signifie qu'on ne sait pas si votre rouge, c'est le même que mon rouge. On a tous appris ce que c'était le rouge, mais il est tout à fait possible que je le perçoive complètement différemment de vous. Et nous n'avons aucun moyen de le vérifier. Tes lunettes, c'est vert ? Non. C'est jaune ? Elles sont jaunes, ouais. Vert, blanc, rose, rose... Violet ? Ouais. C'est différent, ça va. Marron, gris, vert, jaune, vert, rose, vert, jaune, bleu, rose, rose, bleu, noir, je sais pas, c'est chelou. Jaune et rose. Il n'y a pas de couleur que je découvre. Non. Bah le rose, j'avoue. Non, le rose, c'est fou. Tu avais jamais vu. Bah c'est vraiment plus pétant. Ouais, les tomates, c'est fou aussi, ouais. Elles ont l'air vraiment bonnes, tes tomates. Tu veux dire par rapport aux clémentines que tu nous apportes à Noël ? Ça, faut trop que ce soit l'intro. C'est l'intro. Okay. Alors, avec le test, oui, Franck faisait moins d'erreurs, mais on a aussi vu qu'il n'avait pas complètement retrouvé une vision « normale », entre guillemets, du moins pour les personnes qui ne sont pas daltoniennes. Par curiosité, on a refait le test standardisé en ligne de la compagnie qui vend ses lunettes pour voir s'il allait être diagnostiqué comme ayant une vision normale quand il porte les lunettes. 8, 2, 3, 7, 1, je sais pas, peut-être un 8, mais je suis pas sûr. Je vais mettre un sûr. Si tu vois pas. C'est un 9. Il est vraiment flash. Ah ouais ? Ouais. Pourquoi je le vois pas ? Non, je vois pas de 9. Tu vois pas 9 ? C'est bizarre, je devrais. Oui, il devrait. Je veux dire, si les lunettes étaient vraiment capables de lui corriger la vision, ça voudrait dire que le diagnostic avec les lunettes devrait être celui d'une vision normale. Et voici le diagnostic qu'il a obtenu. Inconclusive. Unknown type. Ah, trop drôle. Ouais. Trop drôle, je l'ai fait 3 fois, puis j'ai toujours été strong protanop. Ouais, c'est drôle, hein. Ouais. Au moins, j'étais quelque chose avant. Maintenant, je suis juste inconnu, genre. Donc non, ces lunettes ne fonctionnent pas. Mais maintenant, la question, c'est est-ce qu'elles ne fonctionnent pas seulement pour Franck ou pour tout le monde ? Je vais vous laisser vous faire votre propre opinion en vous expliquant ce que font ces lunettes. En fait, elles bloquent les fréquences où les récepteurs se chevauchent, donc pour éviter la confusion des couleurs, et elles augmentent le contraste des autres couleurs pour arriver à mieux les discerner les unes des autres. C'est donc pas complètement une correction, mais plutôt une amélioration. Je vous laisse donc juger quant à savoir si cela vaut la peine de dépenser autant d'argent pour ça. Franck, lui, a rendu ses lunettes et a été remboursé. Mais ok, mais à quel point cette vue-là, elle est comme, tu sais, corrigée, mais genre, à quel point ça fit la vraie... C'est ce que vous voyez, ça, j'en suis vraiment pas sûr. Puis là, je donne les couleurs, puis c'est faux encore. Et là, tu sais, genre, j'ai l'impression que c'est comme une amélioration, mais peut-être un peu distordue de ce que je vois d'habitude. On en retire quoi de tout ça ? Avec Franck, on a peut-être une réflexion plus philosophique que d'habitude à vous proposer. Les sciences, telles que définies dans Wikipédia, correspondent à l'ensemble des connaissances et études d'une valeur universelle, caractérisées par un objet et une méthode fondées sur des observations,
objectives et vérifiables, et des raisonnements rigoureux. Si la science est basée sur des observations, ça signifie que l'on apprécie le monde et on le comprend au travers de nos sens. On ne peut donc pas percevoir les subtilités au-delà de ce que nous sommes capables de ressentir. Les limites de nos sens définissent les limites de nos connaissances. Et puis, il y a la technologie, celle qui nous permet de voir l'ultraviolet des fleurs et de nous convertir ses couleurs en quelque chose que l'on peut appréhender, celle qui nous permet de capter des ondes gravitationnelles et nous les ramène dans une bande sonore que l'on peut entendre. La technologie élargit notre potentiel de connaissance, mais aussi notre potentiel d'empathie. Des simulateurs peuvent nous permettre de ressentir les difficultés de déplacement des personnes âgées, et une fois que l'on comprend ce que ces personnes vivent, et que nous vivrons a priori aussi un jour, il nous est plus facile d'être compréhensif et empathique. De même, des filtres nous permettent de voir comment les daltoniens perçoivent le monde, et cette conscience amène à s'interroger sur la communication d'entreprise. Savoir ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas voir est important. Des simulateurs d'alcool au volant permettent de ressentir à quel point cela peut être dangereux, puisque ce sentiment est occulté lors de la consommation d'alcool, et permet de prendre conscience du besoin d'avoir un conducteur désigné. Et il y a encore de nombreux exemples. Dans ce monde où on nous rappelle sans arrêt les inconvénients de la technologie, addiction au téléphone, risque de l'intelligence artificielle, vol d'identité, pollution, etc., et qui ne sont pas à négliger, ce n'est pas du tout mon message, mais rappelons-nous aussi que les technologies nous permettent de mieux comprendre et de mieux concevoir le monde, notre monde, et quelque part d'être aussi plus humains envers les personnes différentes de nous. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo qui a un ton un peu inhabituel, j'espère que ça vous a plu. Et merci à Franck d'avoir accepté de se soumettre à mes tests face à la caméra, et aussi pour toutes les discussions que nous avons eues et qui vous ont donné une vidéo un peu plus pensive que d'habitude. Si vous trouvez que cette vidéo vous a apporté quelque chose, je vous invite à vous abonner et éventuellement à venir supporter ces productions financièrement si vous en avez les moyens. On se revoit la prochaine fois. Bye!